Dans le cadre du Dimanche Magazine de ce jour, Herman Guivet a reçu le docteur Auguste Didier Blibolo, enseignant chercheur. Ils ont parlé des grossesses précoces et les violences sexistes chez les adolescents. Voici un extrait. Ces questions relatives aux violences sexuelles, sexistes et à la santé sexuelle reproductive aux grossesses précoces sont des défis majeurs pour notre pays, mais aussi pour le monde entier. Parce qu'il faut savoir que près de 14 millions d'adolescentes deviennent mères. Et 90% de ces adolescentes sont dans les pays en développement. Et les questions de violence sexuelle sont très récurrentes en Côte d'Ivoire, si bien que les autorités sanitaires en ont fait une priorité. C'est un projet qui est bâti autour de trois grands axes. Un axe de recherche au départ des interventions, une phase d'intervention pilote et une dernière phase de recherche évaluative. Notre étude a visé uniquement les adolescents et les adolescentes de 16 à 19 ans de la région du Haut-Sassandra et a porté exclusivement sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière de violence sexuelle, de santé sexuelle reproductive et de grossesse précoce dans ce milieu de personnes. La solution que nous préconisons parmi plusieurs solutions qui existent, c'est qu'il faut agir sur les connaissances des adolescents eux-mêmes pour les amener à être autonomes face aux violences, face aux problèmes de santé sexuelle reproductive, face aux problèmes de grossesse précoce. Parce que jusque-là, c'est des interventions extérieures qui ont été menées pour pouvoir les protéger, mais nous pensons qu'il faut eux-mêmes leur donner les moyens intellectuels pour pouvoir se protéger